C'est bon. Les 51, les 7h50 de la part de Dandy 33. Alors on est le 1er décembre 2017. Et c'est parti pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Ok. Michel, tu es toujours là? Eh oui, que je suis toujours là, mais... Ah, oui, c'est les blancs de temps en temps. Il peut y avoir des départements lointains. Alors, faut penser à eux. Entre autres, je pense à Michel de Toulouse. Je sais qu'il écoute derrière, mais je ne sais pas si la propagation est bonne. Ouais, on doit avoir aussi les Pyrénées, je pense, derrière. Michael Breco. Oui, le Breco. Vous avez été les stations de 14 Mike Sierra-Oscar, on va avoir Jacquet de Gratignan. Ouais, t'as entendu le break, Rémi? Oui, je laisse un blanc. Les 73, Xav, voilà, de la part de Dandy 33. Oui, retour Michel, t'as du mal à l'entendre, on dirait. Ah si, si, mais je fais comme toi. Ce soir, c'est la soirée des blancs. Il y a de la neige, à des endroits, le terrain est blanc. Alors ce soir, nous allons faire un QSO avec du blanc aussi. Oui, les bons chiffres à toi, je t'ai entendu, il n'y a pas de problème. Merci pour les bons chiffres. Retour. Bonjour. Oui, Michel, les amis, c'est à toi, hein, ça vous a dit comment, hein, ça, bon, je suis... je suis la semaine dernière, on fait un petit coucou. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Donc voilà, la porte est ouverte pour notre station, qui voudrait peut-être parler, peut-être sur les doudous, Eric, un credo, un rideau, donc voilà, allez-y. De la Moselle qui signale qu'il entend quelqu'un parler. Alors Jean-Jacques, depuis la Moselle, on te laisse un grand blanc, beaucoup de neige. Et apparemment la propagation est avec, n'est pas avec nous. Ok. Alors. Les 73-51-14 Alpha Romeo 1995. 14 Charlie Delta Romeo 7. 14 Charlie Hotel 22. 14 Foxtrot Delta X-ray 057. 14 Alpha Papa 706. 14 Mike Sierra 033. 14 DR 860. Tiens donc. 14 Papa Whisky 711, 14 Zulu Golf Delta 50, Cyril, Fredo, Gonzague, Oscar 62 et Barracuda 56, plus tous les autres qui n'ont pas été cités, ainsi que la Suisse et les autres pays qui ne suivent pas le désir. Les 23 51 à vous tous. Ah, si tu veux faire toute la liste, Rémi, je peux te donner un compteur, mon pire.
le break. Oui, le break. Eh bien, Xav, voilà, c'est fait, hein. Voilà, j'ai cité là, toute la liste des EM connectés là, sur le chat. On n'oublie pas évidemment là, tous ceux qui sont pas inscrits ou qui sont pas connectés. C'est pour ça que j'ai dit, ainsi que tous les EM qui nous suivent là sur le web SDR, que ce soit du côté français comme, comme les autres pays. Quoi. Les 73, Eric. Oui, 73-51, 73 à tous. Je sais pas qui c'est qui est là, j'arrive. Donc je salue tout le monde, 14 Victor et Corel 7, l'opérateur Eric sur l'île d'Avernon. Voilà, je retourne le micro, Rémi, mais tu me diras qui est avec toi. Je salue, toutes les stations et tous les SWL qui sont à l'écoute, toi. À retour, Rémi. Ok, 73 renouvelé en espérant que tu aies passé une bonne semaine. Donc, alors, le premier arrivé, ben, c'était Michel, la tour de contrôle, suivi de Xav. Alors, retour sur Michel. Salut Eric, les amitiés à toi, ceux qui t'entourent, est-ce que ce soir tu m'entends? Ouais, Michel, 73, écoute, je te retourne tout ça, j'espère que tu vas bien. Alors, 73 à tous. Si tu me réponds, c'est que tu m'entends, c'est une bonne chose. Retour à toi, Rémi. Ah, j'ai entendu quelqu'un. Ah oui, il y a quelqu'un qui parle derrière, en avant. Ah Eric, tu as un message sur le chat. Tu as les bandes 73-51 de Barracuda 56. Ok, des 73-51 à Barracuda 56. Les invités, j'espère qu'il va bien. Voilà, il est très content de t'avoir eu en fréquence. Oui, oui, on s'est copié il y a quelques jours de ça. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Côté forum, côté le groupe, en ce moment c'est très actif. Il commence à faire froid là maintenant du mur, il y a la neige qui tombe par endroits, ceci, cela. Donc les gens restent au chaud et c'est là, hein, c'est très très actif là au niveau, là autour de la cellule. Donc là c'est bon signe, c'est bien parti. Il y a pas mal de questions posées sur le matériel, réglage, anti-parasite, parce que bon, certains ont des problèmes de QRM chez eux. Donc il y a pas mal de discussions autour de ça. Ouais, côté météo, t'as vu, hein, ça commence à neiger de plus en plus sur différentes régions. Et plus c'est là, plus ça se rapproche de nous. Hein. Retour vite. Ouais, affirmatif, ouais. Il y a même Rudy qui a fait une petite vidéo, je crois, sur le net, où du côté des Pyrénées, il y a la neige qui est là, quoi. Voilà. Ok, mais retour sur Xavier. On va laisser le petit blanc d'abord et puis après tu reprends Xavier. Cette saison, c'est pas terrible. Et non, mais
là, tu vois, là, tu, on a un vrai verre, là, c'est sympa, quoi. Oui, c'est vrai, la neige est là, et c'est vrai que ça va démarrer, les stations, ils vont pouvoir y aller. Bon, mais retour sur Michel. Salut Xavier, si toutefois il m'entend, moi je l'attends petit, mais je l'attends. Bon chiffre à toi Xavier, et retour à toi. Oui Michel, tu vas pas continuer tout à l'heure? J'avais pas reconnu ta voix. Ah d'accord, ok. Bon, mais les 73 de Michel, je veux que je te les renvoie maintenant. Et oui, moi je t'entends parce que je passe par le SDR, sinon je passerai par le poste, je ne t'entendrai pas du tout. Ah ok, mais en plus il y a une petite portelle derrière de mon côté, alors c'est pas évident, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis une info sur, sur Facebook, là, on est fait approche et il y a des problèmes avec les fruits de mer. De quel fruit de mer tu parles? Parce que je sens la connerie venir. Eh bien, tu regarderas sur Facebook. Ok, d'accord. Attends, j'ai entendu quelqu'un lancer appel là, c'était très très QRP là dans le lointain. Non bon, non bah vas-y reprends. Oui Michel, Rick te demande. Non, c'est l'inverse. Si c'est des fruits de mer à péage. Mais oui, c'est ce que je pensais. C'est la moule à péage. Voilà, regarde sur Facebook, tu vas voir. Ouais, là, j'ai pas l'envie. Hey, Michel, Eric, tu vas rigoler. Aujourd'hui, justement, là-dessus, là, j'ai refusé là, 3 demandes d'ajout de fruits de mer à péage. Ouais. Voilà, ce soir, il nous manque, putain, je vais y arriver, le grand maître là du WebSDR. J'allais y venir, oui. Tout à l'heure, en fin de soirée, ça passait, oui. Ah oui, il y avait les départements français. Ah, ça part derrière. Ouais. Ah, tiens, c'est pas merde, c'est dommage.
Rémi, c'est de repos ce week-end? Pas du tout. Et demain matin, ben, il faudra que je me lève à 4 heures. Ok. Ouais, c'est la joie, quoi. Et tout le week-end? Ouais, ouais, d'ailleurs, à ce propos, je sais pas si je serai là demain soir. On verra bien. Alors Cyril, il a trouvé une solution là pour mieux passer apparemment. Il a mis la couverture chauffante sur son antenne. Il a pas frotté au miroir. Ah, ben il va nous dire ça. Alors, ouais, tout à l'heure, tu parlais de propagation, Eric. Ouais, de mon côté, là, j'ai entendu les différents départements du Nord. J'ai entendu la Belgique. Quelques pays anglophones aussi, là, un peu plus haut. Hein. Ouais, j'ai entendu tout ça, quoi. Et je crois que c'est en début, au milieu d'après-midi. Y a l'Italie, là, qui est passée aussi. Et ouais, si, il y a quand même eu quelque chose aujourd'hui, hein. Je te parle que j'ai allumé que vers 6h ou un truc comme ça. Avant, je n'avais pas allumé, le poste il restait éteint. Donc, et c'est là où j'ai entendu un petit peu. Voilà. Ouais, ben oui, ça a démarré à 6h. Justement, c'est t'es arrivé pile là, au début. Là. Et ça passe un peu partout parce que sur le 80 mètres, moi j'ai reçu des images du Japon. Alors, réponse de Cyril, le miroir ne tient pas en sous les échelles graves. Eric, t'as entendu? Attends, ODR 860, t'es grillé, t'as plus qu'à prendre le micro maintenant. Ok, encore une minute, t'attends les livreurs de pizza, c'est ça? Ouais, ouais. Manger des sushis comme moi, c'est plus rapide. Cette année, il faut qu'il fasse une sieste sur sa corée. Ah bonjour, tout le monde est foutu. Ah, ta soeur de doux? T'as entendu voir. Ah ah! 73-51 à tous, avec un temps de réalisation 60 qui rentre enfin avec QSO. Tu veux bien me faire délirer. Alors, c'est que je suis en train de bricoler des trucs. Xavier, c'est ce que c'est.
que un ordi, bref. Je passe les détails. Bah, le 951 à tous, voilà, j'écoute le QSO depuis le début, donc je sais à peu près qui il y a, donc je vais pas ignorer tout le monde, mais j'espère que vous allez tous bien. Je suis très content de vous retrouver ce week-end. Voilà. Allez, bah, je fais un retour sur le maître de cérémonie. À toi Rémi. Ah, zut, je m'y attendais à ça. Eh, hey, tu m'as envoyé un message le dernier coup. Tu m'as demandé de mettre le chapeau là pendant le QSO. Eh bien toi, hey, ni une ni deux, je le fais là. Ah bah super, bah c'est parfait, voilà. Bah. Ah non, mais quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit c'est n'importe quoi et tout fout le camp, là, c'est pas possible. Bon après, je savais que t'étais quand même à l'intérieur de ta maison, tout ça, que le chapeau il y en a moins besoin, mais enfin quand même, là, je me suis dit. Que c'est une imposture, que c'est pas la vraie Dundee, tout ça, hein, parce que t'as des fans quand même à Rémi, hein, donc faut pas les décevoir. C'est un peu comme si, tu vois, Illuminati elle arrivait avec sur des échasses, quoi, tu vois, ça le fait pas, quoi, Achille. Non, la CB a des fans, c'est pas pareil. Ah oui, il y a des mecs qui sont fans de toi, hein. Allez, je te taquine un peu. Bon, ben voilà, mais c'est bien tout ça, il y a du monde ce soir, là, c'est cool, j'entends Xav là qui passe à 59, là, sans problème, avec son petit décalage habituel qui fait tout son charme. Donc, voilà, Rémi, j'ai pas eu le temps de regarder le signal, Eric, ça passe comme un dingue, donc pas de problème, ben, je salue aussi au passage les SW là, qui sont sur le SDR et puis ceux qui écoutent en direct, voilà, qui ont la chance de pouvoir nous entendre. Et qui n'hésiterait pas à répondre s'il en fait des appels, voilà. Et puis je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'oublie personne. Eric, oui, Rémi, Rémi, je regarderai. Bon. Et puis Michel aussi, voilà, je vous ferai un petit repas au passage au prochain coup. Voilà, allez, ben, je passe le micro à Xavier. Ça va être pas mal, on est en train de bricoler un truc, on prépare un coup là. On prépare un coup je fais tourner hein, du coup parce que j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Je fais tourner, j'ai du mal à parler, à toi Eric. Ok Iso, 1073, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Et puis que tout le monde vient au cœur, hein, voilà, ça fait plaisir de t'entendre. Juste ce que je voulais te signaler, c'est que faudrait que tu varies un petit peu, change de la pizza, essaye les sushis, c'est tout rapide, moi je sais que je me suis régalé ce soir. Donc c'est vrai que ça change de la pizza des fois un peu. Allez, retour Iso. Ah si, ce soir c'était soupe de petit marron maison, tu vois, mais sushi je connais, on a un très bon magasin, un resto japonais là à côté du bureau et on s'en fait des fois le midi. On s'en met plein le bilan et on est bien content. Donc je connais bien, mais tout à l'heure j'entends Xav là qui fait l'imitation là, du japonais, là, ça me rappelle à la grande époque quand j'étais étudiant. Il est arrivé plusieurs fois qu'on fasse des expéditions avec des amis depuis Poitiers jusqu'à Paris, voilà, pour aller à la rue Montgallet. Alors, il y a plusieurs rues autour de la ville de Ménil à Paris, là, de tout ce quartier-là, là, où il y avait, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais à cette époque, il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de boutiques informatiques, donc d'asiatiques qui vendaient des pièces comme ça. Donc il y avait des toutes petites boutiques en mode placard à balai avec des piles entières de disques durs, de barrettes de mémoire et tout ça. Donc nous on y allait pour chercher les matos parce que c'était moins cher. Et déjà à l'époque il y avait le site ruemongalais.com qui existait. Et donc avant de se taper tous les magasins, on allait quand même regarder sur le site. Et on est rentré dans un magasin, on cherchait les cartes mères d'ordinateur. Bon, ça a été quatre potes. Il y en avait un qui avait regardé les prix, tout, puis on arrive dans le magasin, et puis le gars, il nous présente ses prix, machin, et puis on lui dit, non, mais d'après le site, là, dans le
magasin d'à côté, il y a un concurrent qui fait moins cher. Et les mecs, un peu vexés, ils font pas possible, je suis imbattable sur les cartes mères, imbattable, c'est imbattable. Comme ça, on serait cru dans la... Enfin bref, voilà. Donc on était mort de rire, voilà, c'était pour la petite anecdote. Du coup, je passe à toi, Eric, vas-y à toi. Sinon j'allais répondre à notre ami 14 Hôtel India Romeo 12 qui dit ça passe trop fort, et oui c'est normal, les antennes, mon antenne est à 15 mètres de celle du SDR, donc forcément ça fait mal, ah si, ça fait mal, le préampli souffre terriblement. Allez, retour. Retour à qui? Retour à qui les autres? J'en profite pour envoyer une bonne 1351 à 14 Alpha India Romeo 12, 14 Charlie Delta Romeo 7, 14 Zulu Golf Delta 50. Oui, voilà. Voilà, ils sont arrivés, je crois, après qu'on a visité la tout le monde tout à l'heure. Ludovic, tout à l'heure tu parlais de bidouilles et tout. Je sais pas si tu as vu là sur le groupe, là sur Facebook, ces jours-ci, là, j'ai mis des vieux posts de Sibi là, qui datent des années 70. Et d'après les commentaires là, qu'il y a eu, c'est des posts qui étaient vendus en kit. Hein. Donc là, tu avais le plaisir de pouvoir les monter toi-même, quoi. Alors ça c'est sympa. Ça c'est cool comme truc. Oui, juste à l'instant, j'ai tourné le VFO, j'avais oublié de le loquer, puis j'ai fait un geste malencontreux et j'ai tourné le VFO, du coup, le micro de retour c'était pour Eric, c'est pas grave. Excusez-moi. Ouais. Alors j'ai passé ma semaine à trier des composants électroniques qu'on m'a filé. Enfin ma semaine, une bonne partie de la semaine à ça, du moins les soirées. Donc voilà les trucs que j'ai achetés et puis qu'on m'a prêté, donc c'est pour ça que j'ai pas trop eu le temps de regarder l'actu. Voilà. Mais c'est fort intéressant ce que tu nous dis là, Rémi, et ce serait super marrant de voir s'il resterait pas des stocks de kits comme ça, pour essayer de les récupérer et de les monter là maintenant. Alors je sais pas à quelle société tout ça, mais ce serait super drôle de pouvoir arriver à s'en procurer un ou deux comme ça, et puis faire une petite session de montage, ça va être sympa. Parce que après je sais pas jusqu'où ça va au niveau du montage, parce que on peut te filer le circuit électronique avec les composants et toutes les SF et tout ça déjà préfabriqué, on va dire. Donc ça c'est assez facile, entre guillemets, je veux dire. c'est relativement facile, mais si en plus il faut se tourner les selfs autour d'un crayon et tout ça à la main, ça peut être encore plus rigolo quoi.